town, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Bonjour à tous, c'est Gigantin, on se retrouve pour cet épisode 8 de Splinter Cell Blacklist. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il n'y a pas de facecam parce qu'il est assez tard quand je filme. Et j'ai des petits yeux et j'ai une tête pas plus si fin. Bref, et en plus je dois encore vous faire le montage dans dès que j'ai fini la vidéo. C'est pour ça que j'avais pas envie de faire un trop long montage et d'aller dormir là, parce que je suis vraiment crevé. Enfin bref, vous m'en voudrez pas, mais bon c'est pas grave s'il y a un épisode de temps en temps sans facecam, ça change un petit peu. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait la mission principale. Enfin, on avait fini la mission principale et on avait... Pourquoi il me dit salut, lui? Et on s'était un petit peu amélioré plein de trucs et tout. Enfin, je suis content. Donc, moi, j'avais franchement adoré la mission principale contre Spinel. C'est plus le machin qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, c'est lui ou c'est l'autre? Je sais même plus. 13 minutes. Ah, je sais ce que c'est, les points d'interrogation, ça vient de me revenir à l'idée. C'est des quêtes journalières, on va dire, enfin hebdomadaires, hebdomadaires, journalières, je sais plus comment on dit, enfin qui sont tous les jours. Et si on en fait, je crois, 5, bon je vais pas le faire, hein, parce que c'est complètement à part de l'histoire, j'ai pas mis de timer. Quelle heure est-il exactement, s'il vous plaît? Que quelqu'un me donne l'heure tout de suite, 20h50. 22h50. Je dis n'importe quoi, je suis tellement crevé que 22h50, ouais 23h quoi. Bon, enfin pour moi c'est assez tard, parce que surtout que j'ai une dure journée. Bref. Donc, je disais oui, ça c'est des missions qui sont là seulement journalièrement. On va dire ça. Et si on en fait 4, je crois, 4 ou 5, on peut avoir un succès et déverrouiller une option, enfin un pack à acheter avec des points Uplay. Enfin bref, donc je pense pas que je vais le faire en vidéo, je m'amuserai peut-être de mon côté. Mais nous on va continuer. On va continuer la mission principale parce que je suis intrigué par la suite. En fait. Tout nous ramène vers Dallas, mais on n'a rien de plus précis. Les indices mènent ici et ici, au stade et à l'aquarium. On peut atterrir à Lovefield plutôt qu'à Fort Worth. Ça nous fait gagner du temps une fois au sol. On tiendra au courant en temps réel. Des questions? Ouais, pourquoi Charlie est nerveux? Je lui ai déjà dit. Alors dis-moi. J'ai récupéré les données NCTC de toutes les grandes villes et... j'ai obtenu la liste des interdictions de vol. C'est quoi? Rien. Plein de rien. Le service des transports était inactif. Il n'y a eu aucune interdiction de vol pendant environ 5 heures. Maintenance du système, ils ont confirmé. Laisse-le finir. J'ai recoupé manuellement les noms des passagers aux arrivées et toutes les interdictions de vol. Sinon, ils sont sortis. Maintenant, regarde. Les caméras de sécurité de l'aéroport de Chicago. Ces 6 mecs sont partis ensemble. Je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est pas une priorité. On a intercepté les données de plusieurs agences qui confirment Dallas. Ça valide mon argument. Personne n'a rien dit avant Guam. Et quand les ingénieurs ont balancé leurs infos sur le net, des mecs des forces spéciales ont été massacrés. On est loin de Chicago si on change de cap. C'est trop loin, Sam. On n'a qu'une chance, et si on sort bredouille de Chicago, on n'aura plus de temps pour Dallas. Sam? Excusez-moi les amis, je regardais ailleurs. Donc, écoutez, on est là pour continuer la mission. On est des warriors. Alors moi je dis, on va attendre. Non, je déconne. Allez, débuter la mission. On va à Chicago. Ce n'est pas parce que Charlie voit des points qu'il faut les relier. La présidente m'a donné les pleins pouvoirs pour mener cette opération. Elle peut les reprendre si tu ignores son ordre d'aller à Dallas. Une attaque directe n'a aucun sens. Surtout après ce que Sadiq a fait à Mirawa. C'est quoi ça? Le SWAT de Chicago, ils sont en intervention sur une prise d'otage. Va préparer l'hélico. J'aime bien cette petite arrêt. C'est une vraie fourmilière. Mais et il attends! Chut! Du gaz soporifique pour neutraliser l'ennemi sans blesser les civils.
et des caméras glues pour le ciblage. Ouais. C'est ta meilleure chance. D'accord. Je sais même plus ce que je veux dire. Ah oui, j'aime bien cette petite cinématique, enfin machin qui nous fait entrer dans le l'IM4. Je sais même plus son nom. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut, ça? Ben, je l'ai, c'est bon. Puis ça? Ah, ça j'ai pas, ça. Est-ce qu'on l'achète? Ouais, écoutez, on est des malades. Acheter et équiper. Parfait. J'en ai 7. Ça devrait suffire. Trirotor, franchement, c'est un truc que j'adore. Je veux, franchement. Renommé, non, quitter et lancer la mission. Ok. Ouh, ça a l'air stylé comme paysage ici. On va où? À Chicago? Ouais, Chicago, États-Unis. Ça a l'air pas mal cet environnement. J'aime bien aussi les, ouais, les graphismes, enfin l'environnement et tout, sont super bien faits, je trouve. Surtout qu'on est dans un avion, donc on peut aller un peu partout, je veux dire, enfin entre guillemets partout. Mais ouais, c'est un franchement stylé. Bref. C'est toujours aussi long les chargements, je sais pas pourquoi. C'est pas moi, peut-être, non. Enfin, j'espère que c'est pas moi. J'espère que c'est pas de ma faute, parce que c'est même... Bah, dépêche-toi, chargement. S'il te plaît. Ah, mais il veut pas, hein. Il ne... Ah. Les ravisseurs ont contacté la police de Chicago. Les demandes. Négatif. La seule chose qu'ils ont exigé, c'est que la police reste à l'écart de la zone. C'est tout. Des otages, s'ils ne veulent rien. Peut-être parce qu'ils sont dépassés. C'est peut-être pas les ingénieurs. Dalla, c'est une cible pour un paquet de monde. Peu importe, il est trop tard pour faire demi-tour. C'est tellement stylé cet environnement. En plus, quand on est arrivé, c'était sous le tube. Enfin, t'avais la lumière et tout. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Ok, souris 4, s'il te plaît. Bon, au début, généralement, il n'y a pas d'ennemis. Non, je rigole. Lâchez, s'il te plaît. J'appuie sur n'importe quoi, moi, en plus. Oh, on va aller dans les égouts. Dans les... Comment ça s'appelle? Oh, j'adore. Je peux pas changer la vision du personnage si vous utilisez une arme silence. Excusez-moi, je voulais pas changer d'arme en fait. C'est trop bien, j'adore. Sur 4 pour ouvrir. Putain, mais on est où là? Oh putain, il y a des mecs là en fait. Appuyez sur V pour activer. Ah oui, c'est vrai, on a la vision nocturne. Ah, ça pète les yeux. J'aime, je sais pas vous, mais moi j'aime pas cette vision nocturne. Bon, c'est sûr, on voit mieux, j'avoue. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu... On va rester en haut pour l'instant, si on peut. Oui, on peut faire un petit tour. Mais attendez, là, il y a de la lumière, là. Moi, je sais pas, cette vision nocturne, elle me fait mal aux yeux, en fait. Je peux aller, là? T'es sûr que je peux pas aller? Putain, je peux rien lui faire, en plus, à lui. Ah, je peux faire... Il y a de la tyrolienne. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Je dois aller là-bas, hein, les amis, si jamais. Mais je vais essayer de faire le gars vraiment... Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Oh, il y a une échelle. Le gars discret, je vais essayer. Parce qu'on n'est pas assez discret, en fait. Je sais pas s'il faut être discret ou si on peut tuer les mecs. Je sais pas du tout. On peut passer, là. Cool. Je crois que c'était une délimitation. Genre, on pouvait pas sortir. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens. Oh, c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin armé? Putain, c'est des bombes. Oh, pff, la merde. Ouh, il y a quelqu'un là. J'ai pas envie de me faire repérer maintenant. Tu veux bien te barrer, mec? Putain, il veut pas se barrer, lui. Je crois bien que je vais devoir le buter, on va dire. Va là, s'il te plaît, Sam. Sam, je crois que tu peux profiter d'un raccourci en passant par la ventilation. Il y a un accès. Putain, derrière, y a trop de gens là. Mais pas au niveau du sol. Oh merde, je suis mal barré là. Ah, faut que j'essaye de faire quelque chose, mais quoi? Faut que j'essaye de les avoir au cut. Au couteau si vous préférez. Oh, je peux grimper. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, ils parlent anglais carrément! C'est trop bien fait! Je pensais qu'ils allaient parler allemand. Allemand. Je raconte n'importe quoi. Je pense lui, si je le tue, lui il me voit en fait. À mon avis, je vais essayer de les surprendre. Je vais attendre qu'ils finissent leur discussion. Il est où le troisième mec? Il y a plus le troisième mec. Ah, s'il est là. Lui, je suis sûr je peux l'avoir. Je suis sûr je peux les avoir au cut. Ah, j'étais sûr.
Attendez, comment on fait pour... Oh mince. Ok, c'est bon, je suis mort, les amis, je peux même pas... Je suis foutu. Il y a trop d'ennemis, c'était mort. Désolé, ça vous a peut-être pété les oreilles. Je suis désolé, bon, tant pis, on va recommencer, écoutez. Hein. Oh, vous êtes sérieux, on recommence de là. À mon avis, il faut être discret, mais tout en les tuant. Y'a pas une tireline dans le coin? Je peux me suspendre, mais ça ne sert à rien de se péter la gueule. Ah, je crois que je peux descendre par là. Ah oui, parfait. J'y suis. Pas de trace de civil. Je suis en train de regarder les plans. J'ai trop flippé. Ils ont pu les emmener, c'est le sous-sol. Ils se sont piégés. Les amateurs peuvent être aussi dangereux que de vrais pros. Un peu les boules de me faire repérer parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est la dernière zone en fait qui est trop chaud. Putain, vous êtes sérieux? Je me casse. Concentré les amis. Il est mort lui? Ouais, il est mort. Il y a encore quelqu'un? Je crois qu'il y a encore quelqu'un. Il me semble. Il y a un truc que j'aimais bien moi dans le conviction. Oh, putain, j'ai vu de la lumière là-bas moi. Il y a encore la zik, c'est-à-dire qu'il y a encore quelqu'un à mon avis. Surtout qu'il y a encore ma silhouette blanche. Ça me stresse. Oh, heureusement que vous voyez pas ma tête. Bon, de toute façon, il fait un peu noir, donc c'est ça. Il est où l'autre? Bon, allez, je suis bien équipé, j'en ai rien à foutre. Je suis un malade. Si ça se trouve, j'arrive à l'esquiver. Oh, il est là-bas. À moins qu'il y en ait même plusieurs. J'ai essayé de l'avoir lui. Putain, y'a que lui? Je suis pas sûr hein, moi. Allez, sors de ta cachette mon gars. Oh, je suis trop un sniper. Non, je déconne. J'espère que c'est fini là. Vous êtes sérieux qu'il y a encore quelqu'un peut-être? Sam, je crois que tu peux profiter d'un raccourci en passant par la ventilation. Il y a un accès derrière la chaîne. Bizarre, il y a encore. C'est un mec ça? Non. J'entends des voix, mais alors je le vois pas le mec. J'ai pas envie qu'il me surprenne comme un gros bâtard. Je sais pas où il est le mec. Bon, on s'en fout. On s'en va. Putain! Il est où? J'ai plus de munitions. Mec, sors de ta... Oh, c'est sérieux que je peux le toucher depuis là? Il est mort? Vous croyez qu'il est mort? Oh le fou! Pff, il m'a fait trop peur, j'étais obligé de faire ça. En fait, j'ai trop de munitions avec ce machin. Je voulais vous dire un truc, mais je ne sais même plus. On peut activer l'interrupteur comme d'hab. Ah oui! La salle de réception. Attendez. Aucune trace des otages? Non, juste une bande d'abrutis mal équipés. Tu penses que c'est une attaque de la Blacklist? On va le savoir. Oh, attendez, je peux m'équiper. Je voulais vous dire, ouais, Sam, ce que j'aimais bien dans le conviction, c'est qu'à la fin, quand on tuait tout le monde, il disait je me suis surpassé ou des trucs assez marrants. Mais là, dans le conviction, il dit plus ce genre de choses. C'est quelque chose que je trouve dommage parce que moi j'aimais bien ces petites interactions qui voulaient dire ouais, je suis trop fort, je suis un malade. Putain, j'ai failli me faire repérer. J'avoue que je suis malade. Vous êtes sérieux?
Je suis foutu. C'est tout? On a d'autres, je suppose. Je vais me cacher dans les toilettes. Je ne peux pas. Très bien. Je vais me faire défoncer la race. Attendez, il y a un ennemi là. J'ai trop flippé. C'est tout? Pas d'autres ennemis? Putain, je peux pas passer dans un conduit. Oh, parfait. C'est ce qu'il me fallait. À mon avis, ça va être chaud sinon. S'ils reviennent, je vais essayer. Je peux le fermer. Oh, je suis trop fort. Je suis trop caché là. Je vois que dalle par contre. Je pense que vous aussi. S'il vous plaît, on va voir quelque chose. Je sais pas où je vais. Ah, ok, putain, il tournait. Ok. Fallait qu'on. Ah, mais attendez, je suis con. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, mais ça fait mal aux yeux. En fait, on voit que dalle. Ah, si, on voit mieux. Ah, ok. Bon, ça peut être utile, j'avoue. Mais je sais pas, moi, j'aime pas trop. Ils sont où les mecs? Ne pas utiliser d'explosifs près des otages. Putain, ils sont combien? Ils sont pas genre en train de venir vers moi là? Si j'ouvre la porte. Tiens, chat. Recharger. C'est tout là? Y'a pas d'autres mecs? Oui, j'entendais pas. Ça n'est pas rassurant. Un homme à terre. Le tireur est vers là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Putain, t'es sérieux? Je l'ai pas eu là. Il y a encore des gens. Je pense hein. Je pense qu'il y a encore des gens, non? Oh, ça a pas l'air. C'est bizarre. Ça me fait assez flipper. Les otages sont dans la chaufferie. L'endroit est truffé de C4, mais les ennemis sont à terre. Compris. J'envoie les gars du déminage. Qui se tiennent prêts, mais personne ne vient tant que la zone n'est pas sécurisée. Entendu. Attends. Je peux pas tirer sur cette lampe, c'est vrai. Excusez, je veux pas vous faire peur. Vous êtes sérieux que je dois descendre, moi? Ils sont là, les otages, on les a, non? Putain, y'a quelqu'un en bas? Non, qu'est-ce que tu fais, Sam? Moi, je te demande de descendre, lui, n'importe quoi. Glisser. C'est génial de glisser. Je peux pas aller un peu trop bas, là, non? What? Ok. Ce couloir est beaucoup trop dégagé. Utilise les tuyaux au plafond pour avancer à couvert. Beaucoup trop dégagé alors que en fait les tuyaux au plafond. Ah ok. Espace. Le gars il rage pour appuyer sur espace. Espace. Putain mais les gardes ils vont me voir là. Je flippe à mort. Où est-ce que je dois aller? Tout au bout. Il y a mes mecs qui vont me voir là. Je suis désolé. Mais regarde tout ce qu'il y a. Je fais comment? Oh putain, je dois le capturer lui. Il y a un mec qui était juste là. Ils l'ont vu? Oh non, me dites pas ça. S'il vous plaît. Ne me dites pas que vous avez vu. En fait, je dois le capturer, mais je fais comment pour aller le fouiller moi? Parce qu'ils vont voir les mecs. Je suis foutu. Comment je fais pour descendre déjà en plus? Je sais même plus. Oh putain de merde. Voilà, je suis mort. C'est bon. J'ai besoin d'aide là. Ouais, c'est bon, je suis repéré là, c'est mort. Faut que je refasse tout. F, descends. Non, c'est espace. Je sais plus quelle touche c'est. Je peux pas descendre en fait. Ouais, c'est n'importe quoi cet épisode. N'importe quoi les amis. J'espère qu'on arrivera un petit peu à avancer quand même là. Ça fait déjà presque 20 minutes. Le couloir est beaucoup trop dégagé. Utilise les tuyaux au plafond pour avancer à couvert. Putain.
Mais c'est n'importe quoi. Je vais me faire repérer en 2 secondes, même en faisant son machin, même en passant de côté, même en... Bon, au pire, je capture pas le mec qui est là, tant pis, hein. Ils disent qu'on peut le capturer. Qu'il est. Ils disent qu'on peut le capturer, mais... Ah putain, vous êtes sérieux que je peux pas aller là? Comment je fais pour descendre déjà? Je peux pas descendre en fait. C'est cool. En fait, il faut que je descende, mais... Putain, mais... Bon, je suppose qu'on est censé être discret. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à faire. Discret ou pas, je les aurai tous. Un par un, s'il le faut. Par contre, c'est vrai qu'il y a le mastodonte ici, là. Ça me stresse un peu, je dois avouer. Et de deux... Putain, il s'est barré le con. Descendre, je vais descendre. Accroupis-toi s'il te plaît, comment on s'accroupit? Merci. En fait, c'est pas du tout comme ça, je suis sûr qu'il y a une autre touche, mais... Je ne l'ai pas trouvée, je n'ai pas réussi à la trouver à qui. Putain, mais il va où lui? C'est un malade. Attends-moi mec. Putain, je suis un malade. Je suis un malade les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Normalement on est censé aller dans les tuyaux et tout comme elle a dit là. J'en ai rien à faire moi des tuyaux. Mais moi, je vous le dis concrètement comme ça, cache, hein. Je me casse. S'il te plaît, cours. Enfin, cours à moitié, là. Ouh, j'ai fait mon fou, là. Oh, on voit le point blanc sur la mini-carte, la mini-map. Hey, aide-moi à chercher. Jamais. Jamais je ne t'aiderai. Est-ce qu'ils vont venir ici ou pas? Je sais pas où ils vont aller. Je suis un malade hein, quand même. On doit se séparer, on couvrira plus de terrain. Eh ben séparez-vous. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Moi j'en ai rien à faire, moi je me casse. Ça fait trop flipper. En plus c'est glauque cet endroit. Oh putain. Ok Sam, tu entres dans un ancien tunnel d'égout. Apparemment ça mène à une station de traitement de l'eau. C'est peut-être ça leur cible. Qui se sait ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Non, le drone ne répond plus. Attends, je vais en envoyer un autre. Tes petits copains visent la station d'épuration. Pourquoi? Je t'emmerde. Oh putain. Je vais te le dire. Une arme biologique. Ils vont répandre une maladie. En empoisonnant les réserves d'eau. Comment on désarme les bombes sur les otages? Le code. La clé à ma ceinture. Bon, je t'ai dit tout ce que je savais. Je t'ai aidé. Tu peux pas me tuer, pitié. Bon, j'avoue que pour une fois, on va être je déconne les amis, on n'est pas gentil. On est des... Attendez, réfléchissons un peu. On est gentil, allez. Lame. On a tout entendu, Sam. J'ai une clé USB, je la connecte à ma montre terminale.
Envoie ça au SWAT de Chicago. Remercie-les pour leur patience. Sam, d'après les vidéos de surveillance, les véhicules que Charlie a suivis sont arrivés à l'aéroport il y a une heure. Merde, c'est trop tard. Trop tôt pour le dire. Dépêche-toi. Ok, dépêche-moi. On a genre un chrono, non? Ok. J'ai flippé. Si je me fais putain, non, si on a un chrono. Je pense que cet épisode sera plus long. À mon avis, on va finir la mission. Voilà, je... Si vous avez pas envie de voir la suite, et ben tant pis. Non, je déconne. Restez, s'il vous plaît. C'est trop bien. Franchement. Le mec, il fait de la pub pour que vous restiez. Je sais pas, en fait, pourquoi je regarde l'heure. Parce qu'à mon avis, on va rester jusqu'au bout. Je vous épargnerai... Enfin, je vous épargnerai. On fera pas, genre... Je ferai pas le... Comment on appelle ça? Je ferai pas mon... Les améliorations avec vous. Je ferai ça dans le prochain épisode. Mais j'ai... Putain, mais attends, c'est un truc de malade, ce truc. En okay, plus, je l'ai loupé. Il faut que tu saches un truc sur ces drones. Si tu les touches une fois, tu les neutralises. Mais plusieurs fois, tu déclenches la charge explosive qu'ils contiennent. Remarque, suivant où ils sont, ça peut être utile. Drone HS. Ah, merde. J'aurais dû faire pim 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 là. Sérieux, ils m'ont découvert. Attendez, j'ai encore rien fait les mecs. Putain, je suis en train déjà de crever. Ah, y'a un machin. Je vais exploser, bravo. Putain, mais cassez-vous. Vous êtes sérieux? Ok, il faut pas que je tue ce drone. Il faut que je le fasse péter vers les ennemis. Très bien. Ok, très bien, très bien. En plus, je les vois, les ennemis, ils sont trois. Au pire, je tue les ennemis avant le drone. Je t'arrête pas, ok. Ok, Sam, il faut que tu saches un truc sur ces drones. Si tu les touches une fois, tu les neutralises. Mais plusieurs fois, tu déclenches la charge explosive qu'ils contiennent. Remarque, suivant où ils sont, ça peut être utile. Ok, j'avance à la one again. Oh putain, mais lui il vient là. Ok, je vais le tuer lui. Ok, parfait. Exécution prête en plus, c'est génial. Ok, je peux pas lui tirer dessus lui. Le mec est en train de venir. Donc on va peut-être l'attendre, j'ai envie de dire. Parce que... Oh putain, en plus j'ai pas ma bonne arme. Ah si. Eh hey, mais j'ai trop de balles en fait, j'ai augmenté le silencieux, le chargeur ou quoi? C'est bizarre ça. En fait quand on tue un de leurs machins là, ça les prévient en fait. Donc c'est assez débile. Puisqu'après on se fait tout de suite remarquer et tout et c'est la merde. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de... Oh putain, il est là le mec. Ok, très bien. Attends, mais il y a un machin là. J'aimerais me cacher, s'il vous plaît. Merci. Que tout le monde se mette à chercher. Crrr, meurs. Je crois que je me suis fait repérer, ou bien. Il y a un drone là-bas. Ils sont combien, bordel? Oh, je dois le tuer, là, lui, ou le capturer, je sais pas. Viens là, mon petit drone. Ils en ont combien des drones, mec? Drone déployé en mode recherche. Putain de merde! Ouh, je l'ai eu! Puis lui, je l'ai tué. Oh, oh, j'ai trop flippé ma race. Sam, je crois qu'on a la confirmation que c'est bien les ingénieurs. Pourquoi? La clé USB. Elle utilise une variante du triple protocole de cryptage militaire DES. C'est le même cryptage que celui que Sadik a utilisé à Mirawa. Bon boulot, Charlie. Attends, j'entends un bruit là, on est d'accord. Il y a genre une caméra. Oh, c'est quoi? Oh, une clé USB. Oh, trop bien. Je crois que j'en ai loupé plein de ces machins. Mais en même temps, c'est super chaud à trouver ces machins. Oh, trop bien. C'est cool ça. Oh, en plus, on gagne trop de cash. Par où il faut aller en fait? Je suis un petit peu bloqué là. S'il vous plaît. En fait, fallait réellement aller par là, je crois. Ou alors non, c'était vraiment un chemin secondaire. Puis si on le prenait, ben on avait la clé USB. Sinon, bah tant pis. Ça, à mon avis. Ah, quoique, on peut aller par là, je pense. Ah ouais, yeah.
Cool. Bon bah une petite clé USB, ça fait plaisir. Elles sont mine de rien bien cachées, j'ai envie de dire, parce que si j'étais monté par les escaliers, bah la clé USB, on aurait pu se la mettre là où je pense en fait. Putain, on est super haut là. Faut que j'aille où moi? What the fuck? Eh mais je savais pas qu'il y avait un mec moi. Pourquoi ils me disent que je suis repéré alors qu'il y a personne? Attendez, je flippe un peu là. Si je suis repéré alors qu'il y avait qu'un seul ennemi, c'est pas possible, il y a un blême. Ah maman! Tiens, recharge, non, rechargeons-nous. Pour la peine. C'est quoi ce what the fuck, je suis repéré alors que j'arrive, je suis même pas encore arrivé ici. Sérieux? Non, il y a un mec là. Il est en train de venir le mec. Je suis en train de flipper un petit peu parce que je sens que je vais crever, je vais devoir recommencer. Et ainsi de suite. Ah! Mais quel malade! Ils sont fous! Ah mais meurs, meurs toi! Tiens, un de moi. Je suis un petit peu en train de mourir moi aussi d'ailleurs. C'est qui me tire dessus? Il tire d'où? Eh mais attendez, je suis en train de me dire un truc. Je peux pas grimper là? Sérieux que je peux pas grimper? Putain. Ah c'est bon, j'ai récupéré ma vie. Ça c'est pas mal ce système, franchement. À la Black Ops, enfin à la... Pas que Black Ops, mais mode comme ça quoi. Il y a encore des types là, j'ai pas l'impression. La musique s'est un petit peu arrêtée, j'ai l'impression. Je vois que tu te rapproches de la station d'épuration. Tu peux entrer par le toit si tu veux. Trop stylé, on peut même péter les phares. Je peux donc monter par les toits, ce qui est une espèce d'avantage, d'après moi. On va recharger pour être sûr. 61, ouais, comme ça au moins on est sûr de chez sûr. Ça, je peux pas tirer dessus, non. Putain, j'ai cru qu'il y avait une vitre. J'ai cru que j'allais me faire arrêter par la vitre. Mais non. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis en train de me dire... C'est quoi ça? Ok. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière là, non? Ok, personne. Ils ont mis hors circuit toute la sécurité de la station. C'est des malades. La sécurité, mais aussi les systèmes. Il va falloir décraquer leur crack juste pour ouvrir cette porte si tu veux accéder à la saloperie qu'ils mettent dans l'eau. Désolé, Sam, il me faut encore quelques secondes. Je pars repérer. C'est bon. Ok. Tu peux y aller, Sam. Et y'a un... Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc ici. C'est quoi ce son? C'est quoi cette salle rouge et tout là? Faut que j'aille où d'ailleurs? C'est marqué A et B. Ah bah le A il est là. Ah bah non, il est pas là. Il pompe l'agent biologique à deux endroits. Je vais m'en occuper. 45 mètres. 38. On va aller à la A. Je vais essayer de fermer la valve de sortie. Vas-y. C'est quoi ces ennemis? Putain, j'ai cru qu'il y en avait 3. Condensé, j'ai envie de dire. Le niveau de l'eau devient critique. Combien de temps qu'elle a dit? Je peux pas tirer? Vous êtes sérieux? Mais je vais me faire repérer. C'est pas possible cette mission. C'est de la mission suicide. Putain, j'ai du temps, j'ai 10 minutes les amis. J'ai 10 minutes. Ah putain, je vais me faire repérer. Ça allait bien commencer franchement. Allez, espace. 10 minutes, mais c'est pas possible. Change, je vais devoir la recommencer, ça va m'énerver ce truc. Personne? Ah si, il y a des mecs. Bon, c'est bon, je suis mort les amis, c'est mort. Je vais jamais y arriver à faire ce machin. Ils sont 35. Et encore, c'est petit. Tire! Ah! Ils sont derrière moi! Oh non! Non! La balle qui te tue, vous savez? À mon avis, je dois tous les tuer d'un seul coup, c'est pas possible autrement, je vais jamais y arriver sinon. Sam, il pompe l'agent biologique à deux endroits. Je vais m'en occuper, mais il faut maintenir... J'ai juste une question, je pourrais faire une... Je vais essayer de fermer la valve de sortie. Vas-y, on a 10 minutes avant que... Non, je peux pas, ok. Ah, mais je peux quand même descendre en fait. Ah non, je peux pas descendre plus que ça, parfait. J'ai 10 minutes, ce qui est très peu. F, glisser.
Ok, très mauvaise idée. N'empêche qu'ils savent pas où je suis, je vais faire le tour et tout, ça va être génial. Finalement j'ai bien fait de faire ça. Oh puis là... Oh mais mec, ils ont des fusils à pompe. C'est un peu normal qu'ils me one shot, on va dire. Je crois que c'est bon. Série de tirs à la tête brillant. Oh cool, je savais pas qu'il y avait des succès un petit peu aléatoires comme ça. Bon alors il y a les autres ennemis qui sont de l'autre côté, mais à mon avis ils savent pas où je suis. Puis à mon avis s'ils viennent là, ça va pas le faire. En fait ça va, on a largement assez de temps. Je pensais que ça aurait pas suffi, mais au final ça va être facile quoi. Si je fais à l'autre endroit, je ne sais plus. Si je fais à l'autre endroit exactement le même que maintenant, ça va hein, franchement. Juste que je pense qu'il y a un des deux côtés qui a plus d'ennemis. Première pompe désactivée. On en est où avec la valve? Je sais pas, leur type est bon, ils me jettent à chaque fois, mais j'ai encore quelques trucs. Je sais pas du tout par où faut passer. C'est un truc de malade. Sam, les plans indiquent un tunnel qui passe sous la salle de contrôle. Il te permettra de traverser toute la station. Où ça? Où ça? Sous la salle de contrôle? Mais c'est là la salle de contrôle. Attends, je peux aller là? Ok, F. Oh, c'est ça le tunnel! C'est ça le tunnel? Ah ouais, c'est ça. Oh, je l'ai trouvé, je suis trop fort. Mauvaise touche. Merde, quand je me trompe de touche. F. Oh, je commence à être crevé, putain, un truc de malade. Oui, ça fait déjà... Ah ouais, quand même, 35 minutes. Je crois, oui, 35 minutes. J'espère que c'est bientôt fini. Après ça, j'espère que c'est fini. Ce serait cool si c'était fini après ça. Ce qui m'étonne beaucoup. Je suis sûr c'est pas du tout fini. C'est un mec ça? C'est un mec ça? On est d'accord. Ouais, je suis là. Non, je suis plus là. C'est drôle hein. Voilà, il tire sur ma fausse cible, on va dire. Quand même des mecs qui sont pas cons, je suppose, qu'ils vont venir voir ici. Ah non, ils sont tous cons. Oh mais il va me buter lui hein. Mec, il va me buter, moi je reviens de l'autre côté. Hein. Ok, il est monté, le mec il s'est dit, oh non, finalement je vais pas là. C'est un malade. Ferme-moi ça, je vais me cacher un petit peu. D'ailleurs on va... casser ce... faire une petite pause, ça va, j'ai 6 minutes encore, c'est tranquille. C'est super chaud. Faut regarder partout sur l'écran. Ça stresse à mort. C'est un truc de malade. Bon, en tout cas, ils sont en alerte, donc il y en a un qui me voit, ils me voient tous. Je me casse. En plus, j'ai plus de balles. Toi mec, je t'aurai. Ok, je t'ai pas eu. Enfin t'es mort. Putain, ils sont où? Tu vois, les mecs ils font des allers-retours. Je les perds, même moi je les perds. Je suis trop... Je me fais peur tout seul. De malade. En plus, il y a trop de trucs qui cachent l'écran. Ça, c'est dommage, ça. Ça cache vachement l'écran, le machin empêcher l'empoisonnement, là. Oh non, je veux pas mourir maintenant. Il te reste 5 minutes, Sam. Non. Faites qu'ils m'aient pas vu. Faites qu'ils savent pas où je suis. Oh, j'ai récupéré ma vie. Oh, je transpire. Oh, c'est un truc de malade. J'ai pas voulu mourir maintenant parce que... Ok, c'est bon, il m'a perdu. Putain, ils sont plus de ce côté, je le savais.
Je l'aurais parié. Ça fait tellement flipper. C'est chiant parce qu'on voit rien dans l'écran. Quand on passe sous les trucs et tout. Je vais aller d'un côté. Faire pire attention. Faut regarder partout. Où est-ce qu'il est l'autre? Il y en avait deux. Ou alors je l'ai eu, peut-être je l'ai peut-être tué l'autre. Ah ça m'étonnerait franchement. Bon je vais en tout cas arrêter le truc. Peut-être ça fera une cinématique. J'espère. C'est trop loin. J'espère que je vais pas creuser le mec. À mon avis je l'ai distrait avec son pote qui est mort là. Ouais je pense, j'espère. Je peux passer par en haut? Vous croyez? Non parfait, je peux pas passer par en haut. 3 minutes, Sam. Ouais ça va, me stresse pas plus toi. Il est où le truc pour passer? Quel con, je l'ai fermé. Vite, tu peux pas courir dans ce machin. Oh, s'il te plaît, cours, faut que je remonte là-haut. Ou bien... Ah, allez, ça me stresse, là. Oh, excuse-moi, je suis fail. J'espère que ça vous a pas mis dans l'écran, dans votre écran, normalement pas. Peut-être que vous avez eu un bruit. Bon, c'est pas de ma faute, je suis désolé. Putain, hé, je suis sûr, il y a des ennemis, ils sont revenus. Grimpez, grimpe, mec. Combien vous pariez qu'il y a d'autres ennemis, maintenant? Non? Putain, normalement, je les ai tués. Ce serait des bâtards s'ils refoutent des ennemis. Allez, dépêche. Elle est où cette putain de valve? Utilise. Oh, je crois que c'est bon. Allez, ferme-la ta valve. Et s'il reste 2 minutes pour faire quelque chose? On peut officiellement déclarer qu'American Consumption est un échec. Beau travail, Sam. On va te sortir de là. Briggs? L'hélico est au sol, on y va. Oh putain. Oh les amis, mais le flip que j'ai eu à la fin. Oh, succès américain quand on a stoppé. Oh, je transpire là. Truc de malade. Bien, donc il est actuellement 23h31. Et ça fait exactement 40 minutes à peu près que on est dans cet épisode. Donc je vais tout simplement vous dire au revoir. Parce que ça c'est un long épisode, je sais. Mais écoutez, ça arrive. Donc voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire cet épisode. À mon avis, les prochains seront aussi assez longs. Parce que... Pardon, j'ai roté. Ils seront aussi assez longs parce que j'aimerais bien faire une mission par épisode. Après, peut-être que si on fait des missions secondaires, ça durera que 30 minutes. Voilà. Bon. J'ai décidé ça parce que pour moi, c'est déjà un peu plus simple pour sauvegarder et tout. Ok, dans rien. Oh putain, on a... eu aucun fantôme. Je sais plus du tout ce que c'est fantôme et tout, mais je m'en fous un peu. Par contre l'assaut là on a bazardé là. Bref, en tout cas merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un... Vous êtes sérieux qu'il y a une... Bon bah on laisse la ciné. Ouais, ça aurait fait de sacrés ravages en ville. Tu as trouvé un remède? Tes analyses sont revenues, tu es négatif. Je viens de recevoir le feu vert de Chicago. Merci qui? Pas la peine de se la péter, Charlie, on a eu du bol. On a bouclé la mission grâce à des intuitions. Tu as raison. C'est pour ça qu'on ne va pas rester sur la défensive. On a une autre option? Sadik s'attend à ce qu'on joue la défense. C'est ce qu'il a prévu. On va se concentrer sur l'attaque. Comment? On ne connaît pas les cibles. Faut absolument rester concentré sur la blacklist. Si on continue à courir derrière les ingénieurs, on va se faire distancer tôt ou tard. On le prend en chasse. On le force à faire des erreurs. J'avoue. Bon,
Après cette petite cinématique trop de la balle, parce que j'adore le comportement de Sam, franchement, comme il clash les autres, il a même remercié Charlie en lui faisant un petit coup de main sur l'épaule, enfin franchement, j'adore son comportement. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, s'il vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert, vous pouvez le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook ou mon Twitter, j'ai même un Instagram si vous voulez, Instagram, enfin bref. En tout cas, merci à vous. On se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde. On dit ciao à Sam et à la prochaine fois. Allez. La guerre ne s'arrêtera jamais. Je déconne. Allez. Ciao tout le monde. À plus.